Et je me méfie quand même de la parole politique. C'est un esprit critique. Et puis, méfiez-vous de cette insurrection civique qui monte. Je vous ai cité cette... Mais non, mais c'est la même chose. Mais ça fait 15 fois que vous le dites. C'est la même chose. Ben oui. On dirait que vous la souhaitez. Mais presque, en effet, ce serait une preuve de vitalité que de montrer. Arrêtez, Yvan. Ce serait une preuve de vitalité. Ce serait une preuve de vitalité démocratique que de montrer que le peuple ne peut pas systématiquement se laisser dicter des Yvan, décisions qui sont des décisions autocratiques et qui, de mon point de vue, ne correspondent pas à l'efficacité. Yvan, laissez-moi donc terminer. Mais non, ça fait 15 fois que vous le dites. Vous voulez l'insurrection civique maintenant. Vous êtes fou quand même. J'aimerais pouvoir finir des phrases. Eh bien, vous ne dites pas ça sur un plateau de télévision. Taisez-vous. Vous ne souhaitez pas l'insurrection civique sur un point de vue. Je dis ce que je veux. Eh ben non. Moi, je ne le tolère pas. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas tolérer ça. Mais non. Bon, Yvan Rioufol s'en va. Donc, je ne peux pas. Si Yvan Rioufol s'en va, parce qu'il ne peut pas dire sur un plateau. Il faut que je parte aussi, ça va rééquilibrer. Mais non, non. Mais alors, Yvan, revenez. Et puis, on ne peut pas laisser dire ça sur un plateau et dire ce type de choses.